Oui, c'était sage, hein. Allez, ciao, salut les astros. Alors, aujourd'hui, petite vidéo un peu spéciale, puisque je vais vous dévoiler ce que j'ai acheté sur un site internet d'astronomie bien connu, astroshop.de, pour améliorer eh bien, la bête. Alors, on va aller tout de suite voir ce que j'ai commandé. Alors, qu'est-ce que j'ai commandé? Voilà le paquet. Alors, Bader, feuille de filtre solaire AstroSolar, EcoSize OD 5.0, de taille 140 sur 155. Et oui, parce que, tout simplement, la bête, c'est un 70 mm, donc c'est pas la peine d'acheter une feuille type A4. Ensuite, pour améliorer un peu les choses, j'ai acheté également un filtre lunaire 1,25 pouces, donc c'est un occlulant 31 mm, pour eh bien, observer les phases de la Lune sans être ébloui et puis pour avoir un meilleur contraste. Et puis toujours chez Omegon, un jeu d'oculaire. Donc 10 mm et 25 mm parce que eh bien les miens eh ben les miens ils ont pris cher quand j'ai fait l'observation du soleil. Je vais vous faire voir ça tout de suite. Donc ça, ce sont mes oculaires originaux. Alors le problème de la marque que j'ai acheté, c'est que ce sont des oculaires qui ont commencé à fondre. Vous pouvez voir ici les dégâts du soleil. Donc c'est pour ça que j'ai aussi acheté un filtre Bader pour. Vous voyez, c'est un peu déformé. Donc ça, c'est le 12 mm. Là, le 4 mm, il a pris cher aussi. Et puis, l'autre, il doit être sur le. Ouais, il est là. Alors, lui, il a pris très cher aussi. Hein, comme vous pouvez le constater, ça a bien fondu. Et donc, bah, ça me gêne un peu. Donc, ça, c'est le 20 mm. Du coup, comme ce sont des optiques de pas très bonne qualité fournies de base, je me suis acheté un nouveau jeu d'oculaire. Donc on va aller voir ce qu'il y a dans le paquet. Alors moi ce que j'ai apprécié, bon, mis à part qu'effectivement il y avait de la mousse un peu partout, j'ai eu un petit cadeau. Bon, des Haribo. Alors je ne sais pas pourquoi ils mettent des petits Haribo dans leur. C'est pour faire plaisir aux clients, alors peut-être. Voilà. Moi, je les mangerai, je penserai à eux. Ensuite, là, ici, j'ai mes filtres. Enfin, j'ai mes filtres. Non, pas les filtres. J'ai les oculaires. Donc, voilà. Très bien emballé. Alors, avec une seule main, c'est un peu compliqué. Voilà. Je vais. Hop. Les ouvrir. Voilà. Pour qu'on puisse bien les voir. Alors, moi, ce qui m'a impressionné dans cet oculaire, donc là, c'est le 25 mm donc qui va remplacer mon 25 de là-bas. Vous pouvez voir la taille, hein, la taille du champ. Voilà, ici, j'ai un 20 mm. Voyez la différence du champ d'observation que je vais avoir, le confort visuel que je vais avoir. Ça c'est quand même de la balle. Voilà. En plus de ça, comme vous pouvez le constater, il y a un petit rebord qui permet eh bien, de poser son œil et de ne pas avoir eh bien, de parasitage de lumière qui viendrait de l'extérieur. Hein, on a l'œil bien isolé. Voilà. Et puis on a le 10 mm, donc le 10 mm qui va remplacer mon 12 mm. Voilà.
Alors voilà, ça va remplacer les oculaires actuels. Et pour ne pas les abîmer quand on fera de l'observation solaire, eh bien, je vais donc acheter ceci. Donc l'AstroSolar EcoSize Safety Folie. Donc c'est un OD 5.0. Donc pour l'observation du soleil. Donc aussi bien pour l'observation visuelle que pour également la caméra. Voilà, donc on déballera ça tout à l'heure. Et puis pour terminer, j'ai un filtre solaire, lunaire. Oh là là. Donc là c'est pareil. Je vais le déballer. Je vais le poser comme ça. Pas trop comment ça se déballe ce truc-là. Ouais, hop, c'est comme ça. Voilà. Mais dis donc, c'est du costaud hein, chez eux. Voilà, hop. Voilà, donc ça c'est un filtre à visser sur les oculaires. Donc vous pouvez voir, ça c'est uniquement un filtre pour la lune, puisqu'on voit au travers, hein, vous pouvez voir. Donc à ne jamais utiliser pour le soleil. Hein. Attention, hein. Ça, c'est forbidden, comme disent les Anglais. Interdit, ça. Hein. Alors, bah, ça se fixe tout simplement donc, bah, sur le... Voilà, ça. Hop. Voilà, une fois que c'est fixé. On peut observer la lune avec ça et on aura un meilleur contraste. Donc voilà ce que j'ai donc commandé pour notre bestiole là, notre joli petit notre petit pépère. Bon là vous faites pas attention, hein, je suis en train de faire un petit bricolage pour faire une saisie de degrés. D'inclinaison. Bon, vous verrez peut-être un peu plus tard pourquoi j'ai fait ça. Alors, le tarif, bah, c'est 57 euros pour améliorer le télescope. Voilà. Alors, bien sûr, on va se retrouver très rapidement pour un tutoriel pour fabriquer un filtre à l'ouverture. Voilà, ça va se mettre ici là. Pour le télescope, enfin, pour la lunette astronomique. Voilà, salut les astros, choose by big up et surtout regardez bien ce qu'il y a là-haut, même si aujourd'hui effectivement bah, ça a un petit peu voilé. Hein. C'est pas grave, on aura d'autres jolies occasions, belles occasions de regarder tout ça. Allez, salut! Non, oui, t'es beau.